il semble que les habitudes soient un phénomène qui est ancré dans nos sociétés. Les modes de vie que nous avons sont basés là-dessus. Les habitudes et ces modes de vie sont constitués de plaisir, de distraction, qui fait que tout ça est tout le temps renouvelé. Et en fait, on s'occupe plus de nos modes de vie plutôt que de la vie elle-même. La vie elle-même, elle n'est pas connue. Mais on a fait des modes de vie. Et ces modes de vie sont justement l'illusion de nos sociétés. Tout ce que l'on se propose à soi, ce sont nos illusions, nos envies, nos angoisses de trouver quelque chose qui va nous égayer. Voilà pourquoi toutes ces habitudes sont peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde vraiment de près. Pourquoi les habitudes nous sont si chères? Pourquoi on répète toutes ces choses? Est-ce qu'on n'a pas la faculté de réfléchir pour faire des choses neuves? Est-ce que le neuf nous fait peur? Ce sont des questions que chacun d'entre nous doit aborder parce que nous vivons dans un monde où justement la réflexion n'est plus donnée comme un héritage. Elle nous a été enlevée. Donc toute la réflexion, tout ça, c'est notre survie. La survie de vivre authentiquement, d'être vrai, d'être présent, de prendre conscience des choses. Et il y a besoin de cette réflexion. Et il me semble que tout est fait dans ce monde pour que plus personne ne réfléchisse. Quand on trouve quelqu'un avec qui réfléchir, ça devient barbant parce qu'on n'a plus intérêt à ça. Parce que ce qu'on est intéressé avec, c'est plutôt avoir de la distraction, s'amuser. Et tout cet amusement nous rend dociles, nous rend suiveurs. On n'accomplit rien, on n'est pas acteur de nos vies. On attend que quelque chose arrive. Et l'habitude se répète. Et on ne connaît que ça. Et donc toute une vie, on répète que ça. Donc, je crois qu'il est utile à chacun d'entre nous. Non pas pour comprendre les choses et puis les répéter, mais de comprendre les choses pour soi-même. Se réveiller à la réalité de ce qui existe et de ne pas être bercé par les courants de pensée qui se sont mis en place dans nos sociétés. Tous ces courants de pensée, nous sommes devenus des petits moutons qui ne faisons que penser avec le courant de pensée. Et le courant de pensée nous mène où ? Qu'est-ce que ça te donne de plus ? Sinon que de t'endormir sur tes lauriers. Endormir dans les habitudes. Où on se gave de plaisir. Le monde est fait de ça. Et il semble que on ne puisse plus accéder à quelque chose de vraiment important. Nous avons cette acquisition de tout ce qu'on a voulu. On a acquis de la notoriété, on a acquis des biens, on a acquis notre maison, on a acquis plein de choses. Mais il n'y a pas de réflexion à tout ça. Est-ce que c'est ça la vie ? Il semble que tout ça se soit mis en place et qu'on a accepté comme une vérité certaine. Et nous croyons que c'est ça la vie, de poursuivre tout ça et
En fait, avec un leurre, puisqu'on te promet le bonheur, mais à la fin de tout ça, tu as rien. Donc, je crois qu'il est important que nos enfants, nos générations, nous-mêmes, entre nous, on réfléchisse à tout ça. Avant qu'on s'extermine les uns les autres. Parce que toutes ces actions incongrues que nous faisons dans les habitudes et les train-trains, sans réflexion, sans conscience, nous détruit les uns les autres. On n'a plus cette attention pour l'autre. L'autre est traité comme un esclave qui nous donne du plaisir. Et on l'utilise pour que nous puissions avoir ce que nous voulons. Et dans cette effervescence, toute une société est faite comme ça. Et il semble que tout le monde est plongé dedans. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Que tu es enrôlé dans quelque chose, que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Et on te dit que c'est impossible. Tu te dis toi-même, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a des peurs. La peur de ce que les autres vont penser de toi. Donc tu vis avec la peur. On ne vit pas la vie. À ce moment-là, la vie n'est pas vécue. C'est la peur qui est vécue. Et la peur fait partie de la vie, certes, mais elle empêche la bienveillance de la vie de paraître. Tout est bon de vivre. Mais si on vit toutes ces choses, il faut en apprendre quelque chose. Il faut réfléchir. Il faut voir que tout ça, il y a... Au-delà de tout ça, il y a quelque chose. Au-delà de nos peurs, il y a quelque chose de beau. Mais est-on capable de passer au-dessus de la barrière, de toutes les conséquences qu'il y a, de franchir ses peurs, de ne pas s'emmitoufler dans les habitudes, de ne pas répéter. Cette idée de vouloir toujours comparer, toujours critiquer, toujours montrer du doigt, c'est la peur qui nous le fait faire. On a peur de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, on résiste, on critique, on met un frein à tout ce que cela peut susciter, la souffrance que cela peut susciter. Parce qu'à travers tout ce que nous vivons, on peut comprendre la vie. Mais il faut sortir de cette attitude blasée où on pense avoir acquis tout ce qu'on a besoin. Mais on est malheureux comme tout. On n'a pas de contact les uns avec les autres. On est séparés, chacun dans sa bulle. Ce n'est pas la vie, ça. Ça, c'est la vie qu'on t'a foutue dans les pattes. Et on t'a dit, vis-le et ferme ta gueule. Pourquoi tu devrais faire ça? Un jour, tu vas arriver devant la tombe et tu vas te demander, mais c'est quoi la vie finalement? Ne laisse pas ce temps arriver. Ou devant la tombe, tu vas te poser cette question. Pose-toi là maintenant. Et regarde que ce qu'il y a à vivre n'a rien à voir avec tout ce que tu fais, n'a rien à voir avec tout ce que tu sais, n'a rien à voir avec tous les styles de vie que tu as, aussi beau soit-il. La vie, c'est quelque chose qui émerge du plus profond de soi. Et là, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est entendu, est sacré. Parce que
elle apporte de la créativité, de l'harmonie, de la joie d'être et de l'union. Mais la vie que nous vivons, est-ce qu'elle nous apporte de l'union? Est-ce que nous sommes unis dans le monde? En faisant la guerre, nous sommes unis? Pendant qu'il y a quelques personnes qui meurent de faim là-bas, est-ce que nous sommes unis? Est-ce que nous sommes concernés? Non. On est concernés avec nos modes de vie, nos petites vies, bien rangées dans les habitudes et les trains-trains. Vivre comme ça, c'est de l'inconscience. Oui, de l'inconscience, il n'y a pas d'intelligence. On est abêti par les habitudes et les trains-trains. Abêti avec tout ce que l'on aimerait avoir, tout ce que l'on aimerait gagner pour se satisfaire. Parce qu'on veut être dans le bien-être. On veut esquiver la vraie vie, se voir directement en face et être responsable de ce qu'on voit. On ne veut pas faire ça. Donc on accuse les autres. On est toujours en train d'accuser quelqu'un. Mais ce quelqu'un ne viendra pas te sauver. Personne ne viendra te sauver de ta médiocrité. Vivre la vie qu'il y a et non la vie qu'on aimerait. C'est la plus belle intelligence qui puisse t'arriver. C'est la plus belle chose que tu puisses te donner à toi-même et à toute l'humanité.